أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعني chacun d'entre nous on a cette responsabilité de faire la da'wa au tawhid et d'apprendre le tawhid. Et je me souviens quand on était converti, on est au tout début, puis le frère qui nous donnait les cours au début, puis qui nous expliquait l'islam, il nous disait, est-ce que vous avez parlé de l'islam à quelqu'un? Est-ce que vous avez parlé de l'islam à quelqu'un cette semaine? Chaque fois qu'on allait retourner chez lui, la fin de semaine, il nous demandait, est-ce que pendant la semaine vous avez parlé avec quelqu'un de l'islam? Hein? Et je pense que ça c'était une bonne chose. Parce que ça faisait en sorte que, yani, on se posait toujours la question, qu'est-ce qu'on a fait comme effort pour faire connaître cette religion-là aux gens. Hein? Et je me rappelle, subhanallah, au tout début, on était vraiment motivés, on était jeunes, on venait juste de se convertir, mais on était motivés, je te jure, subhanallah, c'était incroyable. Et donc quand on a... Et quelques semaines après, déjà il y avait une vingtaine de jeunes qui étaient convertis à l'islam avec nous. Hein? Donc une personne arrivait, après il amenait ses amis, l'autre il amenait ses amis, chacun. Et subhanallah, une fois, quand, je me rappelle une fois on est rentré dans la mosquée, on était environ 25 jeunes. Les gens ils regardaient ces gens-là rentrer dans la mosquée, ils disaient mais qu'est-ce qui se passe, mais là avec le temps on a perdu de notre énergie là, comme on dit, on n'est pas actif, on fait pas d'efforts pour la da'wa maintenant, on n'invite pas les autres, on n'appelle pas les autres au bien, mais les gens de bid'a eux oui, les gens de bid'a eux sont actifs. Cheikh Al-Fawzan, une fois, il parlait de ça. Il disait, tu vois, les gens qui sont sur la bid'a, qui appellent au shirk, sont très actifs. Il dit, les gens qui sont sur le tawhid, qui sont sur le haqq et la sunnah, il faut qu'on fasse plus d'efforts. Hein? Parce que si on ne fait pas d'efforts, hein, comment cette religion-là va se propager? Donc, il ne faut pas manquer une occasion qu'on a pour appeler les gens, pour clarifier aux gens, pour rappeler les gens. Ça, c'est très important.